Nous sommes admiratifs du leadership exceptionnel d'un grand homme d'État qui se singularise par une action qui tend, nous semble-t-il, de manière constante, de manière permanente, de manière, j'étais tenté de dire, exceptionnelle, à la construction de la force, du Cameroun, à la préservation, à la consolidation de la légitimité de la nation camerounaise, à la promotion de la grandeur du Cameroun, et aussi dans l'inscription du Cameroun dans le vaste champ des relations internationales, en tant que sujet crédible, en tant que sujet audible, dont la voix porte dans les grandes antennes internationales. Cela nous a donc amené à essayer de systématiser, essayer de mettre en cohérence les différents aspects de l'action politique, de la philosophie politique, de l'engagement en termes de mise en œuvre de projets politiques, de programmes politiques, de confessions de foi, puisqu'il en a émis plusieurs fois à l'occasion des élections présidentielles, mais également de pratiques concrètes du président Paul Biya dans le champ, par exemple, de la démocratisation, dans le champ de la politique étrangère. D'où ces deux ouvrages qui tiennent également compte de ce que le président de la République est lui-même un auteur d'une très grande pertinence et dont le célèbre ouvrage pour le libéralisme communautaire est exemplaire, est porteur, emblématique d'une vision très très intelligente, très profonde, très efficace de la politique dans la société camerounaise, mais également la société internationale. J'ai toujours été fasciné par ce personnage qui peut paraître énigmatique, mais qui en réalité est un homme d'État équilibré, pondéré, sagace, pugnace, perspicace, et qui plonge ses racines dans le substrat culturel négro-africain tout en étant ouvert au monde entier. Vous savez qu'il est né dans un petit village, Vomeka, de famille très modeste. Il a fait ses études, comme tout le monde le sait, l'école catholique d'Enden, ensuite le pré-séminaire Saint-Assisius d'Edea, le petit séminaire d'Akono, le lycée général Leclerc, le lycée Louis le Grand à Paris, Sciences Po, Institut des hautes études d'outre-mer, la Sorbonne, et que sais-je encore, c'est vraiment quelque chose de pléthorique. Donc j'ai été fasciné d'abord par ce parcours exceptionnel. Il a fait Cagne et Hippocagne, ce que les gens ne connaissent pas. Cagne veut dire tout simplement première supérieure après le baccalauréat. Il a fait un bac philo, il a fait donc Hippocagne et puis Cagne. Première supérieure où l'on approfondit les connaissances que l'on a acquises pendant le primaire et pendant le secondaire. Puis il a donc fait toutes ces grandes écoles. Mais qui plus est, qui mieux est, il y a également ce parcours administratif exceptionnel. Il n'a eu qu'une ascension fulgurante. Et depuis lors, lui-même l'a dit, une interview, vous avez suivi, on ne me donnait pas 3 mois. Et maintenant, voilà 42 ans. Il y a là un phénomène, quelque chose d'extraordinaire, d'inédit, qui sort de l'ordinaire. Alors j'ai voulu creuser le fonctionnement politico-anthropologique et même sémiotique de ce personnage. On peut même plus dire cette personnalité, on ne peut plus dire cette personne, mais ce personnage, hors pair.
Oui, cet ouvrage s'appelle exactement « Le renouveau camerounais, deux points, certitude et défi ». Alors, nous sortons d'une épreuve relativement difficile au plan historique. Après l'annonce de la tentative d'assassinat du président de la République, après d'autres péripéties, le président chamboule quasiment tout, ministre de la Défense, DGSN et consorts. On sort de la quiétude relative à la passation de pouvoir, qui a été quelque chose de calme et de pondéré. Alors, on sort de cette situation difficile et l'idée me vient d'écrire un ouvrage collectif, de diriger un ouvrage collectif sur le renouveau, qui semblait créer beaucoup de problèmes. Les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce que le renouveau? Qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il veut changer? Il y avait beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incertitudes. Alors je me dis, il faut déjà mettre l'accent sur, un, le renouveau, ensuite sur les certitudes, parce qu'il y a des certitudes. Il n'y a pas d'incertitudes, mais il y a des défis à relever par le renouveau, dans ce renouveau, à travers le renouveau. Alors je me dis, au lieu d'écrire tout seul, nous allons faire un ouvrage collectif. Mais globalement, il fallait démontrer que ce renouveau est une certitude. C'est-à-dire qu'un fait qui ne peut pas ne pas être, il est là, il fonctionne et ça marche. Avec un président flamboyant, apprécié de tous, sauf de quelques nostalgiques d'une époque révolue. Mais il n'y a pas que des certitudes, il y a également des défis à relever. Le défi de l'unité nationale qu'il fallait sauvegarder absolument, le défi de la solidarité, le défi du vivre ensemble qui était déjà problématique à l'époque, après les événements. D'ailleurs, après 83, vous savez qu'il y a 84 où il y a une tentative de coup d'État. Donc cette période était une période tumultueuse et mouvementée. Il fallait donc à la fois rassurer, certitude, et en même temps, évoquer les défis. Ces défis qui étaient l'unité, la solidarité, le progrès et la démocratie qui était déjà en filigrane, que le président avait déjà annoncé de manière, certes, embryonnaire, parce qu'on sortait d'un bonapartisme partisan très accentué. Il fallait donc le faire de manière très douce, très subtile. Et comme il a le génie, la magie de la pondération, de l'équilibre, et absolument, il amorçait cette initiative. Lorsqu'on est au Cameroun, qu'on veut parler de communication politique, on a quand même un acteur majeur, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est lui l'acteur majeur. C'est celui dont la parole fait quasiment loi. Lorsqu'il parle, lorsqu'il accepte de parler, lorsqu'il veut bien parler, lorsque les circonstances l'appellent à parler. Et donc, j'avais fait dans une étude préalable des projections sur la communication de Paul Biya, partant aussi de celle de Amadou Ahidjo, parce que évidemment, il y a l'acteur communicant, mais il y a toute la machine qui prépare les textes. Et cette machine, souvent, c'est des techniciens, c'est des spécialistes du discours, c'est des sociologues, c'est des collaborateurs du chef de l'État. Et donc, on peut se rendre compte assez facilement que, au début, le président Paul Biya communique quasiment dans les mêmes normes que le président Amadou Ahidjo, parce que probablement, ils ont les mêmes conseillers, ils ont les mêmes plumes, comme on appelle dans leur jargon. Et puis, de manière progressive, il s'autonomise et puis les événements, les circonstances de la vie l'amènent à changer de mode communicationnel. Il y a eu la tentative de coup d'État de 1984, il y a eu la crise économique, il y a eu parfois la trahison des hommes, certains dysfonctionnements institutionnels. Un discours, ça naît d'un environnement social, parfois psychologique. Donc tout cela a amené à se dire, mais pourquoi pas lui? Évidemment, j'ai été chahuté. Souvent, on me dit, mais vous cherchiez quoi en travaillant sur le président Paul Biya? Je réponds, mais lorsqu'on travaille sur De Gaulle, lorsqu'on travaille sur Chirac,
sur Mitterrand, plus récemment Sarkozy. Même j'ai lu dernièrement, en séjour en France, je suis allé à la FNAC, aux Champs-Élysées, j'ai vu trois ou quatre ouvrages tout récents sur Emmanuel Macron. Alors, le président Paul Biya, pourquoi pas? Donc, j'ai travaillé sur lui parce que c'est un acteur politique qui exerce forcément sur le chercheur que je suis une fascination. C'est pas interdit. En tout cas, je préfère avoir travaillé sur lui, avoir de la fascination pour lui que pour quelqu'un d'autre qui ne m'inspire pas le même type d'attrait ou le même type d'attention. Je m'intéresse aux questions politiques et notamment au centre des décisions depuis que je suis enfant. Et le déclic arrive en 1992 lorsque je tombe sur ce livre de Henry Kissinger, Les années orageuses, qui constitue une partie de ses mémoires. Une partie de ses mémoires en sa qualité de conseiller à la sécurité intérieure du président des États-Unis et comme plus tard ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire secrétaire d'État dans le gouvernement américain. Alors quand je lis ce livre-là, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont inconnus du public en ce qui concerne le président de la République, en ce qui concerne l'institution présidentielle elle-même, en ce qui concerne la personnalité du président de la République, la nature de ses pouvoirs sur le plan constitutionnel et sur le plan de l'exercice de ce pouvoir. Je me rends compte également que beaucoup d'aspects relatifs à la gestion de sa vie publique et de sa vie privée sont inconnus du public. Et je me donne donc pour mission d'étudier la fonction présidentielle. Alors c'est de là qu'est née cette idée, cette ambition d'écrire un livre sur la fonction présidentielle. Déjà, je fais dans l'écriture depuis 2008 et je suis particulièrement le discours du chef de l'État que j'aime bien, ses discours et interviews. J'avais été ému en 1990 lors d'une interview accordée à Yves Mourouzi à Radio Monte Carlo où il disait, 19 juillet de cette année, qu'il est celui qui a donné la démocratie au Cameroun. Et au fil du temps, je me suis accoutumé de ses discours. Quand je faisais la classe de terminale en 96, j'ai lu Lettres philosophiques de Voltaire. En la 13e lettre, je cite Lettre sur M. Locke. On parlait de Locke comme un esprit méthodique, un logicien si exact. Alors, Voltaire dit exactement ceci: jamais il ne fut un esprit méthodique, un logicien si exact comme M. Locke. Et à force de contempler l'œuvre de Paul Biya, afin de voir ses actions, je l'ai comparé à ce John Locke. Et du coup, j'ai eu envie d'écrire un livre sur lui. Le livre, je l'ai publié en 2016 à Paris, aux éditions Edi Livre. Je suis appelé à écrire sur Paul Biya parce que j'étais journaliste à la Nouvelle Expression, qui est un journal qui parlait de Douala. Et mon directeur de publication, Severin Tchunke, m'a confié une enquête sur le président Paul Biya. Ça s'appelait Paul Biya, ses hommes, ses réseaux. Et on parlait évidemment de sa vie privée. J'ai donc fait une enquête, j'ai mené une enquête de 32 pages qui s'est écoulée comme des petits pains. J'ai donc décidé de pousser l'enquête un peu plus loin
et on fait face à une difficulté qui était celle de ne pas trouver tous les documents qu'il me fallait sur place. J'ai donc décidé de faire une littérature plus abondante sur le présent en me posant des questions. La première étant celle de savoir, à la suite de tous ceux qui ont été sur le présent, qu'est-ce qui faisait le mystère de son pouvoir. J'ai mené une enquête sur Paul Biya et je découvre des vertus en lui que je ne connaissais pas. Évidemment, en travaillant dans un journal de l'opposition, j'étais contre le régime, je l'ai souvent dit. Et pendant que donc, je fais des recherches, il y a des choses que je découvre dans le président et qui sont des choses positives. J'ai décidé donc de pousser ma curiosité un peu plus loin en me demandant pourquoi cet homme, malgré toute l'abondante littérature sur lui, pourquoi on n'arrivait pas à le décrypter. J'écris donc ce premier livre qui s'appelle Paul Biya, Les secrets du pouvoir. En 2004, il y avait un slogan. Avant l'élection 2004, il y avait un slogan. Il était question que les intellectuels soutiennent le président et qu'ils allaient prendre un engagement écrit. Donc, ils allaient l'accompagner avec un certain nombre d'écrits. Bon. Alors, vers la fin, à l'approche de l'élection, nous avons constaté, j'ai constaté qu'il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait rien. Les gens qui avaient promis écrire n'ont pas écrit, etc. C'est comme ça que je décide d'écrire un livre sur la pensée politique de Paul Biya. Je me dis, nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. La première chose qui vient à l'esprit des gens, c'est de savoir quelle politique ce monsieur va appliquer. Nous serons dans quel genre de système révolutionnaire, monarchie, je ne sais pas quoi. Alors, je me mets à écrire ce livre sur la pensée politique de Paul Biya pour montrer que Paul Biya est d'obédience libérale. C'est un libéral. Et lorsqu'on parle de libéralisme, il y a un certain nombre d'avantages pour des jeunes pays en développement. Lecteurs que nous sommes, parce que nous avons en cet ouvrage un de nos livres de chevet, voit comment la pensée du président Paul Biya se déploie à travers plusieurs registres, à travers plusieurs axes, plusieurs idées-forces. La première idée-force, c'est celle de l'avènement d'une humanité plus solidaire dans le champ international, dans le champ de l'organisation internationale, dans le champ de la structuration et de l'institutionnalisation des solidarités organiques et normatives internationales. Étant entendu que le chef d'État accorde une attention toute particulière à la place que l'éthique devrait jouer dans les relations internationales. Une deuxième idée, c'est celle de l'émergence, la construction d'une société politique nouvelle. Nous en avons parlé dans le cadre de nos développements concernant notre ouvrage sur la démocratie dans la réalité camerounaise. Et on voit bien que le président de la République énonce la nécessité de cette société politique nouvelle et met cela en pratique, puisqu'il a effectivement été le concepteur, le promoteur et l'acteur de la démocratisation du Cameroun, de l'avènement d'une société pluraliste, d'une société de liberté, d'une société d'opportunité pour tous les Camerounais. Une autre idée maîtresse dans le déploiement de la pensée du président Paul Biya dans cet ouvrage est celle d'une économie camerounaise au service de l'homme. Alors, on voit ici un président soucieux du bien-être. Le président Paul Biya soucieux du bien-être de tous ses compatriotes, de la promotion
de la promotion, de la prospérité, de l'avènement de la prospérité, de la mise en œuvre de structures de progrès, de développement économique, socio-économique dans toutes les régions du pays, selon le principe dit de l'équilibre, selon les mécanismes de l'aménagement du territoire dans l'ensemble des 10 régions du pays, dans la mesure où nous sommes dans la dynamique du vivre ensemble, de la consolidation de l'unité nationale, de l'intégration nationale, de l'affirmation de la légitimité de la nation camerounaise. Dans un autre chapitre de son ouvrage, à l'avènement, au passage, de cultures ethniques et à l'affirmation d'une culture véritablement nationale. Mais cela ne doit pas aller dans le sens de gommer les aspérités, les singularités, les identités qui justement font la force, la richesse de ce que le président Paul Biya appelle les universaux culturels. Il s'agit, selon l'image du tapis, de la belle mosaïque qu'il utilise dans son ouvrage, de mettre en évidence ce que chacune de ces singularités, chacune de ces identités endogènes peut apporter de merveilleux, de fantastique, de magnifique dans l'édification d'une culture camerounaise qui rayonne et qui permette à notre pays d'apparaître comme un réceptacle, comme un terreau fertile à l'émergence de création et qui puisse témoigner de l'intelligence, du génie et de la créativité de la nation camerounaise. Au plan sémiotique, il fonctionnait à l'aune du chiffre 4. Chiffre 4 qui fait partie des chiffres qu'on peut appeler très proches du nombre d'or, que tous les esthéticiens, tous les sculpteurs, les peintres, les écrivains, les musiciens utilisent. Son nom fonctionne à l'aune de ce chiffre 4. Biya, B-I-Y-A, deux consonnes, deux voyelles, ça fait 4. Paul, P-A-U-L, également 4, ça fait 8. Voilà. Et j'ai donc creusé dans la cosmogonie numérologique du monde entier. J'ai puisé, je suis allé partout, j'ai creusé, j'ai vu en Asie, en Amérique, en Europe, en Afrique, en Océanie, et on retrouve le même fonctionnement esthétique. J'ai donc postulé une hypothèse que ce que nous voyons au niveau du président Paul Biya s'enracine dans un fonctionnement esthético-anthropologique qui se décline à travers son nom. Même Vomeka, c'est 4 plus 4 égale 8. Vous avez le livre, on va d'ailleurs, j'espère, voir quelques extraits. Voilà ce personnage qui fascine, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui fascine. On veut découvrir, on veut décoder, on veut décrypter, on veut découvrir le noumen, ce que nous appelons en sémiotique le génotexte, c'est-à-dire le texte caché. Il y a effectivement un texte caché, mais ce texte caché se trouve dans son nom, son anthroponyme, et qui fonctionne à l'aune du chiffre 4. Par rapport à l'image que le grand public se fait de la fonction du président de la République, en général, puisque le grand public n'a pas accès à cet homme, il devient un mythe et chacun, dans son imaginaire, se fait l'idée de ce que peut être un président de la République. Et c'est pour ça que dans le quotidien des hommes, on a remarqué que il se raconte beaucoup de choses sur le président, sur sa manière de vivre. Mais en réalité, il y a des aspects qui ne ressortent pas de manière assez claire pour décrire ce qu'est exactement un président de la République, ce qu'est exactement
cette fonction, même en lisant la Constitution, on peut avoir une idée de l'étendue de ses pouvoirs, mais la Constitution ne dit pas comment s'exerce ce pouvoir au quotidien. Et le livre a pour ambition donc d'ouvrir un peu les portes du palais au public pour que le public assiste en spectateur à une sorte de mise en scène de l'exercice du pouvoir présidentiel. Une autre manière d'interroger, un aspect purement, un aspect qui n'a rien de scientifique. Donc je vais interroger des astrologues qui vont me parler de lui, en l'occurrence Maître Médard, que j'avais rencontré en France. J'interroge des marabouts, parce que vous pouvez également dire qu'il y a une dimension dans le pouvoir. Le pouvoir n'est pas que l'élection, le pouvoir n'est pas que la politique, il y a une dimension surnaturelle dans la politique. Surtout lorsqu'on se hisse à un très haut niveau du pouvoir. Bien entendu, je voulais savoir pourquoi Paul Biya a été faire le tour des provinces à l'époque de cette province, pourquoi il a été fait fond de fond à Bamenda, pourquoi il est rentré en bagnard dans le Vouri. Donc il y avait une dimension, et pourquoi à Fomban, sur le sultan Sédou Djumelou, le père d'Ibrahim Bomodja, il avait passé des nuits en sortant avec une sacoche qui avait dans des amulettes. Donc ça m'a permis de comprendre que Paul Biya est né pour être président. Ayant travaillé sur le Biya, déjà pour voir, je me suis intéressé à la fin du régime du renouveau. Et là, je trouve que pour mieux comprendre la fin, il faut interroger le départ. Donc, pour savoir quand Biya quittera le pouvoir, il faudra savoir comment tout a commencé. Parce que les origines, l'alpha et l'oméga, se tiennent toujours. Et voilà comment j'ai décidé d'enquêter. Pour me rendre compte, en même temps que j'envoie un message à ceux qui aujourd'hui sont candidats et qui pensent qu'ils vont me le payer à ce fait à 100. Parce que quand on suit les médias aujourd'hui, on suit des menaces pas possibles, telles qu'ils s'enfuient déjà, des choses vraies et pas vraies, surtout pas vraies. Paul Biya n'a pas déclaré qu'il voulait le pouvoir. Il le voulait intérieurement, mais parce qu'on ne peut pas devenir président sans l'avoir voulu. Paul Biya aime le pouvoir, comme tous les hommes de pouvoir. Il sent qu'il a une mission messianique. Et je me suis interrogé à ces trois jours. Et à tout ce qu'il y avait comme concurrent tout autour de lui. C'est pour ça que vous allez voir sur la couverture, il y a des visages qui sont des visages bien connus, mais des visages qui était plus excité que Paul Biya à prendre le pouvoir, sauf lui. Parce que lorsque la loi de 79 et le 29 juin 79, qui stipule que le premier ministre est successeur constitutionnel, elle ne concerne pas Paul Biya. Paul Biya est premier ministre, d'accord, mais ce n'est pas, on n'a pas dit Paul Biya est successeur. C'est le premier ministre qui est successeur. Oh, c'est lui le premier ministre. Et tout ce que Paul Biya va faire, c'est de rester en poste jusqu'à ce que Aïdjo s'en aille. Paul Biya ne s'est jamais battu, ne s'est jamais débattu publiquement pour prendre le pouvoir. C'est qu'il a été lui, l'élu, choisi par les divines destinées. Et donc, cet aspect-là, il faut le prendre en compte et envoyer un message à travers ce tridoum qui signifie trois jours. C'est en trois jours que tout s'est décidé. Et de toutes les façons, c'était Biya ou Biya pour prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une troisième alternative. C'est un livre de campagne. Bon, alors vous donnez la possibilité à votre jeunesse de pouvoir inventer librement. Donc vous avez la liberté d'inventivité, vous avez la libre entreprise, etc. Vous êtes libre. Selon vos dons naturels, de créer et de pouvoir vivre à partir de vos dons, à partir de vos compétences, sans certainement vouloir aller chercher du travail ailleurs, mais vous pouvez utiliser votre esprit d'inventivité et
et progresser dans votre vie. Il ne fallait pas continuer avec le dernier système, parce que le dernier système était dur. C'était un système dur. Et là, il fallait libérer. Le paysan a donc ouvert les vannes. Et au niveau de la vie de tous les citoyens, il y avait ces libertés publiques, ces libertés individuelles. Et il y avait l'égalité de tous les Camerounais, n'est-ce pas, devant la loi. Donc, pour que l'état de droit se manifeste. Et tout cela pour garantir la paix. Parce que tant qu'il n'y a pas injustice, tant que chacun peut se déployer dans ce qui lui plaît comme activité de production, eh bien, on ne regarde pas l'autre, on ne s'occupe pas de l'autre. Et ça pouvait assurer la paix. Donc, un système, s'il est bien appliqué, si c'est un état de droit, ça serait un système de justice sociale. À la charnière de l'histoire, Paul Biya a vécu et vit les deux millénaires. Alors, le millénaire du 2000 et ce millénaire en cours, il est donc à la charnière de deux époques. Et ce qui montre que il s'agit là, c'est-à-dire ça donne une connotation. La connotation d'un homme qui a de l'expérience. La connotation d'un homme qui est respecté de ses pères du monde. Donc, entre deux siècles ou entre deux millénaires, ce n'est pas donné à n'importe qui, tout en étant dirigeant. C'est-à-dire, il a vécu tous les problèmes que le monde a connus en 2000. Il est en train de vivre les problèmes que le monde est en train de connaître en cette période. Paul Biya à la charnière de l'histoire. Au Cameroun, il est évidemment concerné par cet espace de charnière de l'histoire. Il a de l'expérience. Il est connu dans les cercles du monde entier. Les dirigeants du monde le connaissent. C'est un grand atout pour que le Cameroun fasse entendre sa voix en matière de développement du pays. Et ça fait donc à ce niveau-là, au Cameroun, je vous ai parlé des programmes qui ont été lancés après notre grande crise économique. Il a lancé des programmes et comme c'était un livret de campagne, c'est pour dire aux gens, allez voter pour ce monsieur. Il a plein d'atouts et il va vous apporter beaucoup de choses après la crise que vous avez supportée. Voici quelqu'un, le seul, qui peut vous dénouer cette situation, ce nœud de la misère. Dans un des chapitres, au chapitre 4, les esprits de la synagogue sont ces prévaricateurs de la fortune publique qui ont grugé l'État, qui ont confondu les caisses de l'État aux leurs et qui aujourd'hui répondent de leurs actes en prison. Parce que avant cela, avant ces arrestations auxquelles le pays a procédé, on a passé par une sensibilisation que j'appelle morale, la moralisation. Et puis donc, après la moralisation, nous sommes passés à la phase des sanctions. Donc, c'est programmé, c'était étape par étape. Donc, le président Paul Biya a agi d'abord en précepteur, en conseiller, en homme avisé. Il montrait le chemin aux uns et aux autres. Alors, beaucoup se sont fourvoyés et ils ont payé au prix fort. Maintenant, dans le dernier chapitre qui regarde les grandes réalisations, là, le président est aussi parti étape par étape. Il n'a laissé aucun domaine de la vie publique. Nous avons les routes, tout un pays est en chantier. Nous avons des centrales industrielles, le gaz, les stations de Mpulongwe au sud du Cameroun. Nous avons le social, les logements sociaux. Bref, Paul Biya, c'est un architecte, un peintre,
un topographe, un maçon qui tient la truelle. Il est dans tous les chantiers. Il fallait donc faire la différence entre le régime à Ijo, où des gens commençaient déjà à se plaindre de l'injustice, des différences de traitement social. Et donc créer un régime tel que on puisse donner à chacun ce qu'il gagne. Ça, la justice sociale. Alors pourquoi j'ai écrit l'idée sociale chez Paul Biya, croyant que, essayant de l'interpréter, comme s'il allait faire mettre un peu plus de socialisme, ou l'interpréter, ou le canaliser aussi. Pourquoi il lit mon livre, lui suggérer de faire dans un peu de socialisme, n'est-ce pas, pour donner à chacun ce qu'il mérite dans le pays. Et au lieu de laisser le pays aller aux mains des voleurs, des accaparateurs. Donc vous avez la fascination, l'admiration. La fascination au regard de l'immensité, de la densité, de la complexité, mais également du caractère déterminant pour l'histoire du Cameroun, de l'œuvre du président de la République, son Excellence Paul Biya. Il nous a été donné de constater que dans son action politique, tout au moins depuis son accession à la magistrature suprême en 1982, le président Paul Biya a toujours été porteur d'une vision qui font de lui le concepteur, le promoteur, l'acteur d'un certain nombre de grandes réalisations dans divers champs et qui témoigne de ce que le président Paul Biya a et semble n'avoir qu'une seule passion, le Cameroun. Le président Paul Biya, c'est l'homme de la norme et de la mesure. Le président Paul Biya est parti d'un projet appelé le libéralisme communautaire. Il est parti de ce projet pour les grandes réalisations. Donc il a mené beaucoup d'étapes et donc il a conduit le Cameroun dans un processus de développement bien synchronisé, bien organisé et bien agencé. Le président est resté libéral. Alors, nous avons eu... il a émis une autre pensée parce qu'il voulait entrer dans le débat idéologique du monde. Il est entré avec une troisième voie pour le libéralisme communautaire. Alors, pour le libéralisme communautaire, il y a libéralisme dedans, mais il se soucie de cette espèce de sauvagerie qu'il y a dans le libéralisme à appliquer de manière injuste. Alors, il y a beaucoup d'injustices dans le système libéral, mais il faut les tempérer. Mais le système en lui-même, n'est-ce pas, tant qu'il procure des libertés à ceux qui peuvent créer, il est bon. Mais maintenant, il faut éviter d'amener le Cameroun dans un libéralisme sauvage où les plus grands, les plus riches écrasent les plus pauvres. Et pour le libéralisme communautaire, est venu pour tempérer un peu cette vision. Ce que je retiens de sa façon de gouverner, c'est la pondération. Ce que j'ai aimé en lui, c'est que c'est pas un va-t-en-guerre, n'est-ce pas? Quand tout le monde s'attend à le voir rugir, quand quelqu'un a commis une grosse bêtise, on croit qu'il va rugir avec les bâtons et tout, lui garde son silence. Et parfois même vous donne une prime, n'est-ce pas? Si c'était un ministre ordinaire, plus vous faites des grabiges, plus il vous valorise. Vous devenez même ministre d'État. Et ça nous déroute. Ça nous déroute. Et il a donc ce comportement qui était toujours déroutant.
il ne frappait pas fort quand tout le monde s'attendait à ce qu'il frappe fort. Et je me rappelle un congrès de 84-86. Il avait dit qu'il va attraper les voleurs en col blanc. Ils étaient tous devant lui là, et ils applaudissaient le plus fort. Je me demandais, ces gens, ils applaudissent pour qui? Ils pensent que c'est qui est le voleur en col blanc? Ils croient que c'est qui d'autre? Alors que c'était eux-mêmes. Et après, il n'a pas mis ça en exécution tout de suite. Il a attendu peut-être 10 ans pour commencer à organiser des enquêtes musclées qui ont abouti à l'incarcération de beaucoup d'honorables personnes de la République. C'est là qu'on a compris que donc, il peut mettre en exécution une menace qu'il a proférée. Je vais, si vous en avez convenance, vous proposer un extrait. C'est le liminaire de l'ouvrage, page 87. Cet opuscule n'est fondé ni sur la magie, ni sur la fantasmagorie. Il s'appuie sur les 4 opérations élémentaires de l'arithmétique niveau cours moyen deuxième année. Prénom Paul, 2 consonnes, 2 voyelles égale 4. Nom Bia, 2 consonnes, le Y étant un phénomène consonantique. Ça fait 2 voyelles, 2 consonnes égale 4. Total, 8 graphèmes. Graphèmes, c'est-à-dire les lettres. Graphène, écrire en grec. Les lettres. Date de naissance, 13 février 1933. 1 plus 3 plus 2 plus 1 plus 9 plus 3 plus 3 égale 22 égale 4 fois 5 plus 4 sur 2 égale toujours 4. Nden, là où il a fait l'école primaire, Nden, 4 graphèmes, N-D-E-N. Et Déa, où il a fait le pré-séminaire Saint-Arcisius, ça fait également 4 graphèmes. Le fonctionnement de l'actant. L'actant, c'est-à-dire celui qui agit, celui qui est en train d'agir. C'est comme ça que cela s'appelle en sémiotique. De l'actant, Paul Biya, s'articule autour du chiffre 4. Le seul qui, en arithmétique, dans le système décimal, demeure inchangé après la multiplication de sa moitié par celle-ci. Et lorsqu'on sait que le nombre d'or découvert depuis l'Antiquité est proche de 2, sous-multiple, le sous-multiple de 4, l'on explique arithmétiquement la singularité du destin de M. Paul Biya, qui est, M. Paul Biya, un phénomène fascinant, un actant sémiologique singulier. À partir du chiffre 4, j'ai donc découvert tout un fonctionnement, ce qu'on appelle en sémiotique un système de signes qui fonctionne à l'aune du chiffre 4. Et à partir de là, comme disait le mathématicien, ce qu'il fallait démontrer. Voilà pourquoi ce personnage est si fascinant, si singulier, si phénoménal. Force est donc de reconnaître une fois de plus que s'il fait si souvent le choix de se taire, ce n'est pas faute de savoir parler, mais plutôt dans le souci de faire l'économie de sa parole et finalement de faire du silence l'arme fatale de sa communication, celle que l'on espère ou que l'on redoute dans un environnement camerounais où sa parole fait toujours événement, et pas seulement dans l'espace des médias, des services publics. Paul Biya, c'était donc pour pouvoir mieux se faire entendre et fait de ses silences l'atout principal de sa communication politique. Il resterait cependant à définir la juste limite entre les dérives de l'hypercommunication et les sous-entendus et malentendus de la sous-communication, qu'elle soit supposée ou réelle. De quel côté d'ailleurs situer la modernité, modernité entre guillemets, en la matière? L'omniprésence et l'omnipotence médiatique de notre époque appellent un minimum de distanciation par rapport à l'obsession de ce tout communicationnel finalement si tyrannique. Les logiques et les dynamiques sous-tendant la présentation,
Les contenus médiatiques ne sont en effet jamais assez innocentes pour que l'on fasse une confiance aveugle aux dits contenus. En d'autres termes, attention à l'hypercommunication. On fait à Paul Biya le reproche de la sous-communication, mais nous pensons qu'au terme des observations que nous avons eu à faire, ici ou là, c'est la bonne attitude. La patience du président est le reflet d'un optimisme tactique. Il sait que tout peut arriver, que tout finit par arriver un jour, et qu'en un jour, beaucoup de choses peuvent arriver. Pour être patient, il faut compter avec le temps. Mais peut-on toujours compter avec le temps? Comme nous l'avons souligné plus haut, le temps a raison de tout. Le président de la République n'est pas une entité atemporelle. C'est un être mortel, exposé aux intempéries, à l'usure, à l'obsolescence. Comment comprendre dès lors que son optimisme d'action et sa patience traduisent l'insouciance de celui qui croit qu'il a toute la vie devant lui pour accomplir sa mission? C'est qu'en réalité, la plupart des grands hommes de ce monde sont servis par les lois naturelles et surnaturelles, les lois de la sélection des meilleurs, ces lois qui imposent les épreuves les plus insurmontables, territoires de sable mouvant qu'il faut franchir absolument pour accéder à la terre promise. C'est aussi qu'en vérité, les grands hommes par nature soumis aux lois de la dialectique ambivalente et de la fission événementielle possède à divers égards le pouvoir mystérieux du phénix. Alors, j'ai abondamment écrit pour rappeler à diverses occasions que le président Paul Biya possédait le pouvoir mystérieux du phénix. Tout le temps, il est déclaré soit totalement dans une incapacité de gouverner parce qu'il serait grabataire, parce qu'il serait mort. Mais à chaque fois, on le voit réapparaître comme dopé par une nouvelle jeunesse, une nouvelle énergie. Et c'est cela qui caractérise en réalité ce pouvoir mystérieux dont disposent ces hommes exceptionnels. Paul Biya a toujours été présenté comme un homme de paix. Il a fait de la stabilité et de la paix un argument de vente auprès des investisseurs étrangers et des touristes. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Le maintien de la paix dans un pays est un combat de titans, surtout lorsque les attaques proviennent de l'intérieur et de l'extérieur. Les Camerounais en eux-mêmes sont pacifiques et ont cette bonne volonté de vivre ensemble. Ce désir de vivre ensemble s'est davantage manifesté par son Excellence Paul Biya, très épris de paix, car maîtrisant tous les contours. Le 31 décembre 2014, dans son traditionnel message à la nation, il disait « Il n'y a de paix sans sécurité, pas de développement sans paix. Il n'y a pas de paix sans sécurité, pas de développement sans paix. La paix est une vertu. La paix est une vertu. Et c'est le gage de développement, c'est le gage de progrès, c'est le gage de la stabilité. Rien ne peut se faire sans paix. Quand les canons grondent et résonnent un peu partout, on ne peut pas parler de paix. Alors, le peuple camerounais, malgré quelques écueils au Septentrion, dans la zone de l'extrême nord, et malgré les vérités sécessionnistes au nord-ouest et au sud-ouest, Paul Biya ne ménage aucun effort pour maintenir la paix et la stabilité au Cameroun. Au soir du 6 novembre 1982, le président Paul Biya a l'arrière-sentiment d'avoir été nommé par son prédécesseur, Amadou Ahidjo. En effet, la bande dessinée dont il
se découvre le héros et restitue fidèlement trois scènes à tout jamais épiques. Sa nomination au poste de Premier ministre en 1975, la réforme constitutionnelle de 1979, dont il devient le fleuron, et puis cette autre scène, la plus poignante de toutes, où le commanditaire de la réforme s'est fait harakiri pour lui léguer son sabre. En somme, la légitimité de son surgissement romanesque tient à la seule volonté d'un homme, Amadou Ahidjo. Comme pour lui en témoigner sa reconnaissance, il s'abstiendra stoïquement de jeter l'anathème sur la gestion de son illustre prédécesseur. Mieux encore, il exaltera comme un modèle d'héritage. Alors, ce point-là, c'est que les gens ont dit, le président Biya a dit que il a hérité d'un pays riche, un pays prospère. Lui-même l'a dit. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans ces situations-là? Mais or, le président Biya, justement, n'est pas un voyou pour dire, mais voilà, je viens de prendre le pouvoir, il y a un déficit financier, le budget est déficitaire, il y a ceci, cela, il ne pouvait pas le faire. Il a dit, moi, j'ai hérité d'un pays prospère et il ne pouvait pas avoir un comportement de bon. Or, en réalité, lorsqu'il prend le pouvoir, notre économie est déjà au rouge. C'est-à-dire que nos produits d'exportation, qui sont des produits de rente, ces produits-là ont vu leur prix baisser sur le marché mondial. Les prix ont baissé sur le marché mondial et nos recettes sont tombées. Le pays était endetté et nous était impossible de payer la dette et de faire prospérer le pays. En même temps, nous avions autour de 150 entreprises qui étaient toutes déficitaires. C'est-à-dire, c'est des entreprises qui vivaient de subventions. Ces entreprises vivaient de subventions et il n'était plus possible de continuer de verser des subventions à ces pays-là parce qu'on avait une crise financière due à la chute de nos exportations en termes de finances. Certes, il est acquis que les variations et les mutations qui peuvent affecter dans le temps les éléments constitutifs de l'État sont sans influence sur sa personnalité juridique internationale. Du reste, ces données peuvent servir d'aliment à une problématique du changement et de la continuité dans la politique étrangère du Cameroun. En effet, à l'accession de M. Paul Biya à la magistrature suprême, une dynamique nouvelle s'est fait jour dans tous les secteurs de la vie nationale, si bien que d'aucuns ont pu parler de l'éclosion d'un printemps camerounais. Ces nouvelles données n'ont certainement pas été sans influence sur l'activité diplomatique du Cameroun et les orientations de sa politique internationale, dont nous entendons systématiser les constances, les évolutions et les paramètres les plus significatifs. Nous avons entendu mettre en évidence les lignes directrices et les axes structurateurs de la politique étrangère du Cameroun sous Paul Biya, étant entendu que nous sommes dans un système où le président de la République est celui qui détient les clés de ce qu'on pourrait appeler la chambre des machines de l'élaboration de la politique étrangère du Cameroun, de l'action internationale du Cameroun, de la diplomatie camerounaise. Et nous avons donc systématisé cela dans trois directions. La première concerne la mise en évidence des fondements de la politique étrangère du Cameroun sous Paul Biya. L'un des premiers piliers
fondamentaux étant justement la prééminence, le rôle majeur, le rôle prépondérant que joue le chef de l'État dans l'élaboration, la définition de la politique étrangère du Cameroun en tant que chef de la diplomatie. C'est une prérogative constitutionnelle. L'autre fondement est l'affirmation et la mise en œuvre, l'expérimentation, l'application de principes de l'indépendance nationale, du pacifisme. On parlait autrefois du non-alignement, et de la recherche de la coopération pour le développement. Alors vous avez un deuxième axe, c'est celui de la valorisation des compétences externes, des prérogatives externes du Cameroun dans l'ordre relationnel. Cet ordre relationnel est d'abord africain, évidemment, le Cameroun s'affirmant comme l'un des pays majeurs, d'abord de la sous-région, ensuite du continent africain, où il joue un rôle stratégique, un rôle géopolitique, un rôle politique, un rôle diplomatique très important. Ajoutez à cela le prestige dont jouit le président de la République, son Excellence Paul Biya. Nous avons, à travers un certain nombre de paramètres, un certain nombre de critères et d'éléments objectifs, la base de la projection de notre pays en tant qu'un État, respecter un État crédible sur la scène des relations internationales africaines, mais également au-delà, dans l'ordre relationnel extra-africain, toujours dans l'ordre institutionnel, mais non universel, étant entendu que le Cameroun est membre de la plupart, ou sinon de la totalité des institutions spécialisées du système des Nations Unies. Nous pouvons prendre dans l'ordre non universel, dans le cadre de l'affirmation de ce qu'on peut appeler les solidarités continentales ou transrégionales, ou encore dans le cadre de la mise en œuvre de ce qu'on appelle le principe de l'autonomie, et de l'autonomie collective. Ça peut être l'autonomie collective sud-sud ou l'autonomie collective nord-nord. Vous avez des organisations internationales auxquelles le Cameroun s'est affilié, a adhéré sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya. Le Commonwealth, l'Organisation internationale de la francophonie, l'organisation de la conférence islamique. Et sans oublier donc cette logique d'équilibre chère au président de la République, qui, comme vous le voyez, a une approche de la coopération internationale sans exclusive, tous azimuts, des relations amicales, ouvertes, avec toutes les grandes puissances, déjà, toutes les grandes puissances, membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, toutes les grandes puissances économiques de la planète, économiques et industrielles, qui d'ailleurs ont toutes des représentations sur une base résidentielle au Cameroun, tout en étant également conscient des éléments du passé, de l'histoire du Cameroun, les relations privilégiées avec la France, avec la Grande-Bretagne, avec l'Allemagne et avec les autres puissances membres du système des Nations Unies qui ont, on peut ainsi dire, parrainé l'accession du Cameroun à la souveraineté internationale. Alors, pour le deuxième, consacré à l'action politique du président de la République dans le champ de la démocratie, l'ouvrage est intitulé « La démocratie dans la réalité camerounaise, liberté au pluriel, légitimité et modernité politique sous Paul Biya ». Une question, la démocratie progresse-t-elle au Cameroun? La réponse à cette importante question est oui. Sous l'impulsion de Paul Biya, la démocratie a connu tant le décollage que de grands bonds
en avant. Et la planification de la démocratisation du Cameroun par le président Biya est assise sur une authentique vision libérale. Pour ce qui est de son apport spécifique, l'énumération est fastidieuse car tous les autres critères d'une démocratie s'y retrouvent. Une franche rupture avec l'autoritarisme et le monomythisme, notamment illustré par l'abandon de la répression de la subversion, l'avènement du multipartisme et du pluralisme politique, dont témoigne la diversité des opinions et des valeurs, la présence de sources alternatives d'information, attestées par la diversité et le dynamisme de la presse privée, le rejet de la violence contre les adversaires politiques illustrés par l'absence de prisonniers politiques dans le pays, la dévolution de pouvoir par le suffrage et ses corollaires, que sont l'instauration de la concurrence électorale et le contrôle des gouvernants par les gouvernés, l'indépendance du pouvoir judiciaire que suggèrent des condamnations prononcées contre l'État et l'acquittement de plusieurs personnes poursuivies par l'État, la garantie effective des droits de l'opposition parlementaire, l'état de droit, l'égalité raisonnable des conditions, l'émergence d'une société civile et de contre-pouvoir. La démocratie au Cameroun n'est donc pas une abstraction ni un ordre en puissance dans l'esprit des hommes. Elle est une réalité en construction permanente, comme dans la plupart des pays démocratiques. Fiabilité, crédibilité et viabilité caractérisent le processus démocratique dans notre pays. Cela se voit entre autres à travers la consécration du principe de la légitimité démocratique et l'institution et la présence, l'existence d'institutions démocratiques qui fonctionnent. Dans cet ouvrage, nous entendons mettre en évidence la contribution déterminante, décisive, historique du président Paul Biya à la démocratisation du champ politique camerounais, à l'avènement d'une société de liberté, mais également à la construction, à la promotion de la modernité politique dans notre pays. Cela nous permet de montrer comment le président de la République a planifié la construction d'un nouvel ordre politique, démocratique, pluraliste et libéral. D'une part, à travers le passage, l'activation d'une transition démocratique bien maîtrisée et apaisée, d'une part, et d'autre part, à travers l'instauration, la consolidation, la promotion de l'état de droit, ainsi que d'un certain nombre de mécanismes garants de la légitimité démocratique et de la permanence des libertés, des droits de l'homme dans notre pays. Dans la philosophie politique du président Paul Biya, la démocratie doit être assise, doit être consolidée, construite dans un environnement économique, dans un environnement socio-économique qui favorise le bien-être, qui favorise la prospérité, qui favorise le progrès, le développement, et on parle aussi de l'émergence de notre pays. D'où l'importance que le président de la République accorde au mécanisme du progrès économique, au mécanisme relatif à l'insertion socio-professionnelle des jeunes, à la promotion des droits politiques, socio-économiques et politiques de la femme, le problème du leadership féminin, la question du genre, à la création d'emplois pour les jeunes, à l'appui aux PME, mais également à la construction de la force économique du Cameroun, autour par exemple de l'agriculture, mais également à travers l'affirmation de l'indépendance énergétique du pays. On le voit avec la construction de grands barrages hydroélectriques et la mise en place d'un certain nombre d'infrastructures devant permettre d'accroître l'offre énergétique dans notre pays.
Le président Paul Biya, en page 17, écrit ceci. Car bâtir un Cameroun moderne est la grande et noble tâche à laquelle le gouvernement entend résolument continuer de s'atteler avec l'aide de nos partis et de tous les Camerounais sensibles à l'exigence du vivre ensemble harmonieux, de cohabitation intelligente et féconde, dans une vigueur renouvelée et exempte de tout a priori. À partir de cet ouvrage, d'aucuns chercheront sans doute à situer notre vision du monde, c'est le président Paul Biya qui le dit, dans tel ou tel camp idéologique, ou en nous collant une étiquette parmi les plus connues, ou du moins les plus à la mode. Nous ne doutons point de l'intérêt qu'aurait suscité l'élucidation de nos positions personnelles vis-à-vis des courants idéologiques connus et expérimentés avec un bonheur inégal à travers le monde. Mais notre préoccupation n'est pas d'arrimer le Cameroun à une idéologie quelconque, quelque fascinante soit-elle. Le libéralisme communautaire est entendu ici comme une vision mûrie au faisceau d'opportunités qu'offrent l'économie et les systèmes culturels et traditionnels. Il postule à une préservation affirmée de l'équilibre de la collectivité nationale au moyen du recours avisé aux principes de justice et d'équité dans l'esprit généreux de l'humanisme social africain. Fin de la citation du président Paul Biya.